Salut, on est 10 000, ça y est, on est 10 000 sur cette chaîne. Je ne l'ai pas relevé dans la dernière vidéo, mais je ne sais pas si vous vous en rendez vraiment compte, mais 10 000, c'est énorme, merci beaucoup. Ça veut dire que si on veut faire une méga soirée ensemble, eh ben je dois louer le Zénith à côté de chez moi. Et j'ai pas les moyens. D'ailleurs, en parlant de moyens, vous êtes nombreux à nous demander si on gagne notre vie grâce à YouTube. Et pour être 100% transparent avec vous, non, pas du tout. On doit avoir gagné une centaine ou deux centaines d'euros depuis 4 mois sur YouTube. Après, c'est déjà ça, mais bon, vous êtes pas bêtes. Les vidéos qu'on sort comme les Run and Gun, ça coûte du fric, malgré qu'on soit quand même des gros privilégiés, on en a conscience. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a un Tipeee. C'est un site sur lequel tu peux soutenir tes vidéastes préférés par le biais d'une petite donation, le tout de façon super sécurisée, bien sûr. Je me répète, mais on ne vous demande absolument rien. Mais si vous avez la possibilité de donner 1 ou 2 euros de façon récurrente, en cochant la case par mois sur le site, et bien dans ce cas-là, c'est moins de prise de tête financière sur certains tournages et aussi plus de possibilités. Je vous le dis en toute sincérité, tout ce que nous gagnons sur Tipeee est réinvesti directement dans les vidéos. Déplacement, équipement, munitions, accessoires vidéo, tout ça, tout ça. Pour la plupart, vous ne vous rendrez même pas compte qu'il y a cette somme qui sort de votre compte chaque mois. Par contre, nous, ça peut grandement nous aider. Donc voilà, je vous mets le lien juste ici et dans la description. Mais si jamais tu souhaites soutenir la chaîne différemment, tu peux toujours t'abonner, liker, commenter, partager. Mais ça, tu connais. Enfin bref, merci énormément pour les 10 000 abonnés. Croyez-moi, c'est qu'une étape dans cette aventure. Donc bienvenue au nouveau, prenez place et bonne vidéo à tous. Now the clock runs out, time's up, it's over, blow. Snap back to reality, yo. The ghost gravity, yo. The ghost babbity choke. He's so mad, but he won't give up. That is he know. He won't have it, he knows. His horse back as he broke. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stacked and he knows that when it's back to the mobile home, and that's when it back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never. Never let it go, you only got one shot. Do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only got one shot. Do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only got one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. This vomit on a sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface he looks calm and ready to jump. Tout a commencé en 1984, enfin ça, on s'en bat les couilles. Faire au concept, c'est quoi? Lorsque l'on travaille dans le milieu des forces de l'ordre ou des militaires, on se rend rapidement compte que si on s'équipe entièrement avec ce que nous fournit l'institution, on est clairement dans la sauce. Et c'est de ce genre de problématique que découlent des idées d'innovation. Au Canada, un mec en a eu tellement marre de s'équiper n'importe comment qu'il a décidé d'acheter sa machine à coudre et de créer sa propre marque, Ferro Concept. Aujourd'hui, la qualité du produit est devenue tellement bonne que Ferro Concept est devenue une véritable entreprise ayant pour obsession permanente de redéfinir la norme en matière d'équipement tactique. En quelques années, ils se sont placés dans le top des marques sur le marché militaire américain. Et ce qui fait leur force, c'est d'une part la qualité des produits, mais surtout qu'ils soient testés et retestés par de nombreuses unités spécialisées à travers le monde, comme les forces spéciales aux États-Unis ou même le GIGN en France par exemple. Ouais, lui, il a du goût. Ferro Concept prend en compte tous les retours des clients afin de titiller à la perfection. Ils arrivent à mélanger le côté minimaliste de l'équipement avec une certaine élégance. Ferro Concept propose donc aujourd'hui une multitude de produits comme des gilets ou des ceintures qui sont totalement modulables. Et ce pourquoi on fait cette vidéo, c'est ça, le FCPC V5. Je ne pourrais même pas compter le nombre de messages qu'on a reçus pour nous demander quel gilet on porte dans les vidéos. Donc voilà, c'est lui, le FCPC V5 de chez Ferro Concept, évidemment. Il est cool, hein? Il est beau! Bon, ici il est en multicam, mais il existe aussi en multicam noir, en vert ranger, en marron coyote et en gris. On va le démonter et en parler point par point. Je mets le prix en bas à droite de chaque article afin que vous vous fassiez une idée. Bien sûr, si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, chacun le module de la façon qu'il veut. Une fois entièrement démonté, on se retrouve donc avec la base FCPC V5. Pourquoi V5? Parce qu'il y avait 4 autres versions avant. Elles étaient aussi très bonnes, mais Ferro Concept préfère améliorer techniquement un produit qui plaît déjà plutôt que de créer 150 gilets différents. Et c'est pas l'idée la plus débile. Plusieurs points importants sur cette base. En premier lieu, les matériaux. Ici, la matière première, c'est du 500D Cordura, ce qui fait de la base FCPC une base résistante et légère. 431 grammes seulement. Les différentes parties élastiques placées intelligemment permettent un meilleur confort lors du port du gilet, mais surtout de pouvoir placer une gamme plus large de plaques balistiques à l'intérieur. Nous, ce qu'on utilise, ce sont des shot stops en duritium de classe 4 pour seulement 2 kg. Ouais, c'est ouf, le must du must quoi. À l'avant du gilet, on retrouve une boucle cobra au niveau du deltoïde antérieur gauche.
l'épaule quoi, je sais pas pour qui je me prends. Elle permet d'extraire rapidement le gilet lors d'un secours médical par exemple. Vous pouvez en mettre une de chaque côté ou deux anneaux en acier si vous préférez. Sur la partie thoracique, vous pouvez trouver une partie en velcro avec différents passants molles découpés au laser. Personnellement, on ne l'utilise pas vraiment, mais vous pouvez y fixer un panneau d'administration molle ou adapte qui vous offre un stockage supplémentaire, ou encore un panneau de fixation pour smartphone. Juste en dessous, une autre partie en velcro donnant accès à des points de fixation accrochés en G. Comme ça, la fixation est discrète et simple à utiliser. Au dos de la base FCPC, vous voyez tout un panneau de fixation molle, mais surtout deux systèmes IP intégrés au gilet. Ça vous permet de remplacer rapidement et facilement tous les back panels que propose Ferro Concept. Je crois que c'est tout pour la base et c'est déjà pas mal. Pour attacher votre gilet, il vous suffit de vous procurer ceci, des cummerbands. Alors la matière, c'est du thermoplastique découpé au laser. En gros, c'est léger. Mais pas que, c'est surtout hyper résistant et confortable puisque ça s'adapte à tes mouvements. Tout le long, tu retrouves des passes en molle et à chaque extrémité, du velcro, ce qui en fait un accessoire totalement modulable puisque tu peux y mettre des plaques balistiques latérales par exemple. Idem pour l'épaule, on attache le tout avec de la boucle Cobra. Et si tu ne sais toujours pas pourquoi on utilise de la boucle Cobra, je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur mon ceinturon où j'en parle. Bien sûr, tu peux enlever la boucle Cobra pour laisser que du velcro si tu préfères. Pour en revenir aux épaules d'ailleurs, on a mis des pattes d'épaule pour un maximum de confort parce qu'on est des mecs douillés tout simplement. Les que vous voyez dessus, c'est juste une question de poids. Comme dans certains sports d'endurance, chaque gramme est important. À l'arrière, nous y avons placé une poche à eau qui peut contenir du matériel d'effraction, comme un coupe-boulon par exemple. Et par-dessus, le adapte double poche. Deux emplacements de stockage utilisables hyper facilement. Sinon, tu peux y placer l'adapte banger. Il est plafé. Il est parfait pour les grenades ou les canettes de Red Bull par exemple. Ouais, je sais, j'en fais trop. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, on peut passer au chapitre 3. Vous l'avez sûrement vu sur nos posts Instagram, et si tu ne nous suis pas encore, fais-le, je comprends pas comment tu peux ne pas nous suivre. C'est fou ça! Bref, on travaille avec tacmat.fr pour nos gilets la plupart du temps. C'est eux qui nous équipent intégralement là-dessus. Si tu ne connais pas, je t'invite à faire un tour sur leur site puisqu'ils sont le seul revendeur Ferro Concept de France. Ils vendent aussi d'autres produits comme des casques balistiques ou de l'accessoire pour l'armement. Je viens donc de vous présenter le FCPC V5 de chez Ferro Concept qui est le produit qui nous plaît le plus de cette marque. Mais il y a un autre gilet qui est aussi très bien, c'est le Slickster. Ici, pas de cummerband rigide, ce sont deux sangles élastiques que vous rabattez sur la partie avant qui maintiennent votre gilet. Ce gilet est destiné de base à du low profile puisqu'il est plus minimaliste. Mais vous pouvez très bien l'équiper à l'avant, à l'arrière et sur les côté pour en faire un vrai gilet de combat. Certains shooter ops l'utilisent comme ça d'ailleurs. En vrai, les deux sont très bien, mais vu que chacun a ses goûts, dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Je suis team FCPC, moi perso. Au niveau des accessoires, vous pouvez trouver une poignée d'extraction, un panneau adapte pour molle, ou encore différents porte-chargeurs comme celui-ci. C'est un porte-chargeur triple pour AR ou AK, avec un système de rétention de chez LA Stratégique, bien supérieur aux inserts en Kydex. Et sincèrement, j'ai jamais autant kiffé un système de rétention. Trop cool. De l'extérieur, ça fait simple porte-chargeur en tissu, mais à l'intérieur, on a un véritable système efficace et rapide d'utilisation. Sinon, vous avez ça, la DOP, qui est une poche multi-usage. En gros, vous l'achetez vide et vous pouvez moduler l'intérieur comme bon vous semble. Bon, c'est pas mal tout ça, ça vous laisse quand même du choix. Est-ce que je suis satisfait par ce produit? Clairement oui. Est-ce que Jeff est amoureux de cette marque? Je crois bien que oui. Il est clairement accro à ce matos. Dès qu'il l'a essayé, il savait pertinemment qu'il ne trouverait pas mieux. C'est comme une connexion entre lui et le gilet. Je souhaiterais vraiment insister sur la modularité de ce gilet. Tout peut aller sur tout, la seule limite, c'est l'imagination. Ferro Concept innove tout le temps et sort souvent des accessoires. Ils ont fait du très très lourd en proposant ce gilet porte-plaque. Tout est réfléchi pour le rendre parfait et simple d'utilisation techniquement, en plus qu'il soit stylé. Ils savent comment le corps se déplace et savent aussi comment la matière réagit. La combinaison de ces deux connaissances a permis de créer le FCPC V5. Je pense clairement que dans le haut de gamme, rien ne lui arrive à la cheville. Après, oui, c'est un coût. Un gilet comme ça, sans les plaques, c'est environ 600 euros. Mais je ne me répéterai jamais assez là-dessus, notre efficacité et notre sécurité n'ont pas de prix. Ce qui ne veut pas dire que claquer 600 balles dans ce gilet fera de vous un meilleur militaire ou gendarme, mais ça, je pense que vous le comprenez. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous comprenez vraiment pourquoi nous utilisons ce gilet. C'était Clem, tchuss.